Et puis le rhume est partout, la grippe pas encore, mais ça ne saurait tarder. Trois régions sont déjà en phase dite pré-épidémique. L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, les Alpes-Côte d'Azur, ce qui veut dire que les autres régions ne vont pas tarder à suivre. Et cette année pourrait être catastrophique, car la campagne de vaccination débutée mi-octobre pour les personnes fragiles n'a pas eu le succès escompté. Mais il n'est pas encore trop tard pour recevoir le sérum, explique Philippe Besset. Il est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. 600 000 doses de vaccins de moins ont été délivrées par les pharmacies par rapport à l'an dernier. On est toujours à moins 8 %. Et ça, c'est un problème parce que si on se table sur une épidémie de la même ampleur que l'an dernier, ça correspond à un millier d'hospitalisations en plus et peut-être 400 décès. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans les dernières semaines, dans les deux dernières semaines où c'est très utile. L'épidémie n'a pas encore commencé. On la voit démarrer en Rhône-Alpes et en région parisienne. Et il va y avoir un grand brassage de population à Noël. Il faut compter 10 jours d'incubation pour que le vaccin soit efficace. Donc, il faut profiter de ces deux semaines pour se faire vacciner. Les fêtes ne seront que meilleures. Philippe Besset au micro européen de Yasmina Katou.